tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Désolée, je vous en ai pas fait ce week-end, mais je me rattrape cette semaine. Alors, on va commencer cette semaine avec une carte, toujours dans la perspective du confinement, et on fait avec ce qu'on a sous la main. Aujourd'hui, on va utiliser ceci. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Bon, pour ceux qui ne fument pas, vous allez me dire, vous ne savez pas ce que c'est. Mais je vais vous montrer autre chose pour ceux qui ne fument pas. Ça, c'est la pellicule des boîtes de tabac que l'on a quand on ouvre nos boîtes de tabac. Voilà, donc c'est une pellicule en genre de papier d'alu. Voilà, donc on ne va pas jeter. Qu'on va garder, qu'on va nettoyer. Bon, j'ai un peu de tabac dessus. Pourtant, j'ai nettoyé, mais bon. Donc, qu'on va garder et qu'on va utiliser. Voilà, pour se faire un petit fond de carte. Et oui. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Alors, voilà. Donc, pour celles qui fument et qui, ou que leur mari fume, je sais, c'est pas bien de fumer. Le tabac, c'est tabou. Mais bon, en ce moment, dur d'arrêter. Donc, on va garder ces petites pellicules pour faire les fonds de carte. Et comme je viens de dire, celles qui ne fument pas, elles n'en ont pas. Donc, si vous ne fumez pas, vous mangez. Celles qui fument, mangent aussi. Et vous avez celles-ci de pellicules. Voilà. Et celles-ci viennent des pots de crème fraîche ou des pots de fromage blanc, voilà, celle-là vient d'un pot de crème fraîche. Donc pareil, il faut bien la nettoyer hein, avant, sous l'eau chaude. Et donc c'est pareil, c'est une pellicule de papier d'alu. Donc on va pouvoir s'en servir pour se faire une carte. Voilà. Donc celle-là, elle est plus d'alu que celle-ci. Hein. Donc on va utiliser les deux. Je vais voir le meilleur résultat des deux parce que bah, comme d'habitude je n'ai pas fait d'essai avant, je fais l'essai en direct avec vous, comme ça on voit ce que ça donne. Voilà, donc si vous fumez on essaye ça, si vous fumez pas ou que vous fumez quand même, on essaye la pellicule de peau de crème fraîche ou de fromage blanc. Voilà, du coup on ne jette rien en ce moment, les poubelles vont baisser. Allez, on va commencer. Alors, j'ai pris une carte, une petite, hein, 10,5, 14,5. En ce moment, bah, j'utilise cela. Hein. J'ai pris un double dies. Voilà, là, j'ai pris carré pour faire des encadrements. Et après, pour couper bien en carré ma pellicule, j'ai pris un classeur d'embossage. Alors, je vous montre. Voilà, c'est avec des papillons. Vous choisissez celui que vous voulez. J'ai pris mes dies étiquettes, comme d'habitude. Ah, là, je ne l'ai pas déballé. La preuve que je ne m'en suis encore jamais servi. Il y en a plein de dies. Et on en a toujours plein qu'on n'a jamais utilisé. Alors, celui-là, je ne sais plus où je l'ai eu. J'essaierai de rechercher où je l'ai eu pour vous mettre le lien. Mais ça fait un moment que je l'ai. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Voilà. La trappe rêve. Mais il est connu, celui-là, hein, normalement. Voilà. On va faire un attrape-rêve. J'ai pris du cardstock, comme ça, du comme ça. Ma colle, mon double face. Et j'ai pris ça. Alors, je vous montre. Voilà, c'est très fin. Alors ça, ça vient de ces blocs-là. Alors pareil, je ne les ai encore jamais utilisés. Ça fait un moment que je les ai. Donc ça vient d'Action. Hein. Voilà, donc il y a plusieurs couleurs dedans. Et vous voyez, hop, ça fait des couleurs holographiques. Voilà.
Donc là, j'ai choisi le bleu, puisque mon papier est bleu, ma carte va être bleue. Et là, dedans, je vais découper mon attrape-rêve. On verra ce que ça donne, si ça passe ou pas. Sinon, on fera autre chose. Alors, je vais vous changer de... Je vais vous basculer, comme d'habitude, pour que vous voyez bien ce que je vais faire. Et on se retrouve tout de suite. Donc voilà. Alors, on va d'abord passer les deux papiers d'alu. Donc celui pour la boîte de tabac. Et on va faire en même temps celui pour la crème fraîche. Donc, on va le mettre. Donc pour l'instant, on ne découpe rien. Hein. Alors, je regarde là, c'est le côté brillant. Alors, je cherche. Oui, comme ça. Donc, côté creux, ici en haut. Hein. Et on met le côté le plus brillant vers le haut. Ce sera plus joli, puisqu'il y a un côté mat et un côté brillant. Voilà. Ah, j'ai mis ma Big Shot à l'envers. Aïe, aïe, je viens de me faire mal à l'épaule, tellement qu'elle est lourde. Ah, accident de travail. Hop. Il y a un super soleil. On a eu un super soleil ce week-end. J'ai vu beaucoup de cons à la télé sortir par le soleil. Moi, je m'en fous, j'ai pas bougé. Et là, encore gros soleil. Bon, ils annoncent de la pluie. Ah, il faut que je remets une épaisseur. Alors, attendez, je vais mettre une épaisseur. Je vais mettre ça, peut-être, ça suffira. Non, je ne pense pas. Une petite épaisseur. Quand vous voyez que ça ne suffit pas, vous remettez un papier ou deux au-dessus de votre plaque en plexi. Bon, là, je vais passer deux fois pour être bien sûr. Enfin, quand je dis deux fois, ça fait quatre, hein, l'aller-retour. Alors, on va retirer ça avec Delcapes. Ouais! Voilà. Voilà ce que ça donne sur le papier. En plus, c'est super brillant. Sur le papier tabac. Donc, celui-là, on va le mettre de côté. Et on va faire la même chose. Bon, là, hein, c'est l'envers, vous le savez. Et on va faire la même chose avec le papier de crème fraîche. Comme ça, on verra tout de suite les deux versions. Je vais remettre tout de suite mes deux feuilles pour faire de l'épaisseur. Désolée, hein, je vous fais bouger les filles. Allez, on va repasser une fois. Voilà, et on va voir ce que ça donne. Voilà. Et voilà ce que ça vous donne dans le couvercle de papier crème fraîche. Donc, je vous dis, papier crème fraîche, papier de fromage blanc, toutes les opercules que vous avez comme ça. Voilà. Vous voyez, c'est super, hein. Donc voilà, bon là j'en avais encore un, ce sera pour faire une autre création. Alors je vais vous montrer aussi, ça aussi vous pouvez garder, ces petits opercules de bouteilles de lait. Je ferai quelque chose bientôt avec, il m'en faut plusieurs. Je vous montrerai sur une autre vidéo. Alors là j'ai fini avec l'embossage, donc je vais remettre, hop,
mon classeur, ma Big Shot pour la découpe. Je vais profiter pour découper tout de suite mon attrape-rêve, donc sur ce papier-là. On va voir ce que ça donne. Donc là, bon, désolé, hein, je ne vous montre pas la Big Shot. Mais bon, vous savez toutes maintenant comment ça fonctionne, hein, une Big Shot, normalement. Et je vous ferai bientôt une vidéo également pour celles qui n'ont pas de Big Shot. Je vous ferai ça cette semaine. Alors, voyons le résultat. Bon, déjà, le papier est découpé. Hein, c'est déjà une bonne chose. Voilà. Alors, il reste des petits morceaux qui sont restés collés sur ma plaque. Voilà. J'ai rangé tout mon atelier avant de faire la vidéo. Ah. Alors ici, c'est quand même... Alors, le papier est très, très fin. Est-ce que ça va marcher? J'essaie de faire avec ma grande aiguille. Ah, ça n'a pas découpé le milieu, mince. Alors, attendez, je vais finir d'enlever tous les petits papiers au milieu et on se retrouve tout de suite. Donc, voilà, j'ai tout découpé. Alors, par contre, hors caméra, j'en ai redécoupé un dans du papier blanc ordinaire, voilà, que j'ai collé derrière. Alors, j'ai collé à peu près parce que le tissu, j'allais dire, le papier est vraiment très, 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 très fin. Et donc, pour moi, coller sur le papier d'alu, ça va être compliqué. Comme là, la vidéo, je veux vraiment la faire pas trop longue. Voilà. Donc, mais vous n'êtes pas obligé de remettre un papier derrière. Hein. Ou alors, ce que vous pouvez faire, avant de le découper, vous mettez du double face. Voilà ce que j'aurais pu faire. Vous le découpez et il restera le double face à retirer au moment de coller. Voilà. Mais là, bon, c'est parce que je ne veux pas faire de difficultés pour le montage de la carte. Voilà, c'est tout. Ensuite, nous allons nous faire un cadre. Donc, dans ce papier-là. Alors, ah oui, je vais d'abord positionner mon cadre. Alors, vous vous rappelez, c'est comme l'autre jour. Hein. Voilà. Allez, si je me mets... Hop, voilà, je vais remonter un petit peu pour que vous voyez bien. Je vais mettre un peu de washi pour que ça tienne.
Voilà, et un petit dernier en haut. Comme ça, ça ne bouge pas. Voilà. Donc, je récupère mon cadre. Donc là, je vais le mettre bien au bord hein, pour ne pas user du papier. Pour ne pas gaspiller de papier, surtout. Et je vais découper mon premier cadre. Ah, bah alors. Oh, bah alors. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, ça, les petits carrés, je les garde. Hein, ça servira. Donc, je vais me refaire un cadre. Donc, est-ce que là, ça passe? Oui. Pour user le moins de papier possible. Ça, je vais récupérer le bas. Hein. Voilà, un deuxième cadre. Le carré, comme d'habitude, je le garde. Et je vais m'en refaire un troisième. Ça me suffira. Ah, attendez, la louachi, il s'est tourné. Voilà. Eh ben, les plaques, un de ces jours, elles vont me rester dans les mains. Voilà. On peut en faire autant que vous voulez, hein, suivant l'épaisseur que vous souhaitez. Donc ça, j'en ai plus besoin. Enfin, surtout du cadre du milieu, le petit cadre au milieu, j'ai plus besoin. Voilà, celui-là, je n'en ai plus besoin. Et voilà. Comme ça, je vais avoir un cadre avec une petite épaisseur. Donc, là, comme il y a une dentelle, enfin, il y a des dents. Voilà, vous voyez. Mais j'aurais pu faire encore plus épais. Hein. Alors. Là maintenant, je vais couper ça. À la taille de mon carré. J'espère que ça ne va pas s'abîmer. Oh. Hmm.
J'aurais dû le passer qu'une fois. Ouais, mais on voit que mes plaques sont abîmées, hein. Regardez. Alors, attendez. Je vais faire quelque chose, comme j'en ai encore un. Je vais faire autrement. Donc, vous couperez avant. Ce sera plus simple. Et on va le couper sur l'envers. Je pense que c'est... On va essayer. Voilà. Donc ça, j'ai plus besoin. Donc comme ça, j'ai déjà ma découpe. Ça, j'en ai plus besoin. Et oui, je l'ai mis. Et je vais le passer maintenant. Alors, côté brillant, il est où? Il est là. Voilà, ce sera plus, ce sera mieux. Ça, c'est parce que mes plaques sont abîmées. Hein. Si vos plaques sont neuves, normalement, ça ne doit pas le faire. Ouais, parce que moi, regardez, l'état de mes plaques, elles sont toutes ondulées. Elles sont vraiment mortes. Donc, mais bon, là, pour l'instant, pas moyen d'en acheter, hein. Moyen et pas les moyens, parce que bon, vu le prix des plaques en ce moment, bah c'est pas la priorité. Voilà, donc vous couperez d'abord votre papier, hein, votre opercule, et vous passerez à l'embossage après. Ce sera mieux. Voilà. Et comme ça, après, on va pouvoir coller l'encadrement autour. Donc on va d'abord s'occuper de l'encadrement, de les coller un par un. Ça coule. Et vas-y, j'en mets sur la table. Oh là là, j'en mets trop. Faites pour que votre encadrement soit bien l'un devant l'autre. Hein. Bon, là, j'ai mis trop de colle.
Allez, on va en mettre moins. Voilà, c'est mieux. J'aime bien qu'on le met à l'endroit. Voilà. Donc maintenant, il va falloir le coller sur votre feuille d'alu, comme ceci. Donc là, on va mettre la colle sur l'envers, sur le dernier. Donc pareil, on ne va pas en mettre trop, hein. Là, si vous en mettez trop, ça va déborder sur l'alu. Voilà. Alors n'appuyez pas trop, appuyez plus sur les bords, hein, c'est juste pour que ça colle. Surtout pas au milieu, hein. Voilà, donc ça, on va laisser sécher sur le côté. Voilà. Et on va s'occuper du reste de la carte. Voilà. Alors, pour ici, on va terminer la carte. On va continuer la carte, pardon. Donc, j'ai à faire. Alors, est-ce que je fais un fond de carte? Pum, 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 pum. Ouais, je vais faire un petit fond de carte. Donc, mon crayon. Allez, ah, voilà. Donc, ici et ici. Donc là, je prends. Hop. Donc j'ai laissé à peu près à un petit 5 mm autour, hein. Voilà. Voilà. Donc là, je vais mettre. Alors, est-ce que je mets du 3D? Ouais, je mets du 3D.
Mon ciseau, j'ai pas préparé mon ciseau, mon ciseau, mon ciseau. Est-ce que j'en ai un là? Oui. Et voilà. Allez. Bon. Ça veut ou ça veut pas? Ah, bien sûr. Voilà. Ah, voici, c'est bon. Voilà. Ah oui, ça va faire un petit peu plus large. Bon, c'est rien. C'est pas bien grave. Donc ça, je vais le mettre après aussi en 3D. Ça, il va falloir que je le colle dessus. Alors, soit je le mets en bas et je mets mon sentiment en haut. Oui, je vais le mettre en bas. Donc, je vais le mettre en 3D également. Donc, attention de ne pas trop appuyer, hein, pour ne pas écraser les papillons. Voilà, donc j'ai dit, je le mettais en bas. Voilà, comme ceci. Alors, je suis en train de chercher ce que je vais faire. J'ai envie de faire un rond en 3D derrière. Donc voilà, ici je vais mettre un rond comme ça que je viens de découper. Donc ici, pour y coller mon attrape-rêve. Voilà. Donc, et j'ai fait des marques. Voilà. Donc c'est les marques de l'encadrement où je dois mettre le double face. Voilà. Alors, on va d'abord coller. Le double face.
a un petit bout qui dépasse. Hop. Bon, ça colle. On va mettre un petit bout là. Voilà. Et maintenant, il faut que je colle mon attrape-rêve dessus. Donc pour ça, je prends un papier brouillon et mon stylo colle de chez Action. En fin de compte, ils vont bien, ces stylos-là. J'en suis quand même contente. Ça va. J'ai l'impression que j'ai mis de la colle partout. Oui. Attention que je mette bien droit. Voilà. J'aime bien ce papier là, il est joli. Donc maintenant je peux coller mon rond. Donc j'ai pas mis de colle sur les plumes, hein, c'est exprès. Voilà. Et maintenant, il me reste à mettre un sentiment. Alors, on va mettre quoi? Bonne fête. Non, joyeux anniversaire, oui, peut-être. Alors. On va mettre un joyeux anniversaire. Je les cherche. Alors, on va le mettre en argenté. Oh, j'ai tout qui tombe là derrière moi. Alors, est-ce que je le mets directement? Oui, je vais le mettre directement parce que si je refais une étiquette, ça va faire beaucoup. Alors, ma pince. Ah, je vais refermer ma colle. Ma pince. Elle est ici. J'avais sorti mon aiguille tout à l'heure, je pense. Non? Oui, elle est là. Les joyeux anniversaires, les voilà. Je vous remettrai les liens hein, où vous pouvez en trouver.
que vous me demandez souvent. Donc, j'appuie pas tout de suite, hein, vous savez, j'appuie après, une fois que j'ai bien placé mes mots. Bon, là, je sais toujours pas si je fais le salon du mois de juin à Mont-Saint-Barœul, hein. Je ne sais pas si ça va être annulé ou si ça va rester, puisque normalement je dois exposer. Mais bon, si je le fais, il faudra que je vois si l'association qui vend ces trucs-là est là pour que je fasse le plein. Je pense que c'est droit. Voilà, maintenant je peux appuyer. Voilà. Oh, j'ai un petit truc de coller derrière. Donc voilà, donc après on peut faire la même chose. Hein. Je referai une carte avec celui-là pour vous montrer. Donc voilà ce qu'on peut faire donc avec l'opercule des boîtes de tabac. Ça fait super beau. Allez, je vous rechange la caméra. Voilà, on a fini notre carte du jour. Donc la voici. Avec un joyeux anniversaire. Joli attrape-rêve et donc un fond de carte avec un opercule de boîte de tabac. Voilà ce que ça donne. Donc j'espère que ça vous plaît, j'espère que ça va vous donner des idées, hein, en ces moments de confinement pour pouvoir vous faire des petites créas. Voilà. Moi, j'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup le rendu. En plus, elle est toute brillante. Voilà, avec le joyeux anniversaire, hein, en stickers peel-off. Donc, voilà. Donc, il n'y a plus qu'à écrire. Donc, voilà pour aujourd'hui. C'était mon petit tuto avec les opercules de boîte à tabac et je vous ai montré aussi donc opercules de crème fraîche, voilà, ou fromage blanc, ce que vous avez sous la main. Donc je vous ferai une carte avec ça et je vous ferai d'autres cartes avec ce qu'on a sous la main également. Pour pouvoir que pour que vous puissiez vous faire des créations ben avec ce que vous avez autour de vous actuellement. Voilà, écoutez, j'espère que ces petits tutos vous plaisent et vous intéressent. N'hésitez pas, si vous les refaites, de m'envoyer votre création par email ou sur mon Facebook si vous l'avez, pour que je vois ce que votre version. Je n'en reçois pas beaucoup, c'est dommage. Vous n'êtes pas beaucoup à m'envoyer votre version. Parce que j'aimerais bien faire une vidéo pour montrer toutes vos créas. Mais j'ai eu qu'une personne qui m'a envoyé pour l'instant ses créations. Et c'est bien dommage. J'aimerais bien que vous m'envoyiez vos créations par rapport à que vous avez fait avec mes tutos.
Alors n'hésitez pas, hein, vous avez mon email en barre d'infos ou mon Facebook, hein, tous les renseignements sont en barre d'infos, donc n'hésitez pas et envoyez-moi vos créations et comme ça je ferai une vidéo pour montrer ce que vous avez fait avec mes tutos. Et puis moi ça me ferait plaisir de voir ce que vous avez fait. Voilà, allez, je vous remonte la carte. Voilà, d'aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. À bientôt, bisous, bisous. Je vous embrasse tous fort et prenez bien soin de vous, surtout en ce moment. À bientôt.